voici connecté sur la fréquence un duo rolliste. Bienvenue Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjon et Dragon 5 ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Arthur dit le fossoyeur auprès de son professeur de magie, le magistère Severus Snap. De quoi vont-ils parler Toi, tu reçois un, un petit message que ton professeur te, te demande à son, à son office, si on peut dire. Donc, quand tu arrives, puisque tu étais accueilli, il, il lève la tête de son, de son office. Ah, très bien, Arthur, merci d'être venu. Venez près de moi, je, je voudrais vous montrer quelque chose par rapport à, à nos derniers achats. Enfin, mes derniers achats mais qui sont aussi pour votre but à vous donc tu vois il, il a préparé un coin où de là où là vous aviez les différentes gemmes mais, mais là il n'y en a plus que deux il y a les, les deux les deux agates donc toutes les autres il a, elles sont ailleurs d'accord ouais les autres sont ailleurs tu as les deux agates il dit regardez bien ces, ces deux ces deux pierres et euh, que voyez-vous que ressentez-vous je pense que c'est un test donc euh, je vais Sortir. Est-ce que je pourrais avoir une sorte de loupe ou de monocle Tu sais des basiques là, tu sais qui permettent de faire des loupes. Ça, 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 fait partie de mon truc de ouais, travail, quoi. Bien sûr, ouais. Allez, et donc on je, va met dire, ça, ouais. je mets ça sur, sur, sur mes yeux et puis donc je me penche et je regarde euh, si j'avais si raté quelque chose la dernière fois que je les ai regardés parce que j'ai dû déjà les regarder. Ok. Ouais. Est-ce que tu utilises Ok, ben tu vas faire déjà. un G, euh... Qu'est-ce qui pourrait être utile dans ce cas-là ben, Investigation. ou arcane Investigation. Hmm. Ben là, tu, on est plus sur... Euh... Plus d'abord d'investigation, on va dire. Allez, un petit coup d'investigation. 19. 19, j'ai plus 5. 19. Ouais. Ok. okay. Donc, donc, hormis le fait que les tailles sont un peu différentes, le matériau a visuellement le même, mais effectivement, celle qui est un peu plus grosse, tu vois des reflets que n'a pas l'autre. Magistère, je trouve que le champ magique qui, est, qui, entoure, euh, qui entoure la plus grosse des gemmes a l'air d'être plus changeant et plus, euh, et plus variant que la plus petite. Est-ce que ça pourrait venir d'une différence de concentration de magie dans, dans chacune des pierres, due à la taille C'est une hypothèse. Comment tu vérifierais vérifier cela Que proposes-tu de faire pour vérifier cela Et quoi d'autre pourrais-tu me dire comme différence Alors, je pense qu'il faudrait utiliser la méthode scientifique. Nous savons qu'il y a certains éléments qui réagissent plus au champ magique euh, que d'autres. Et donc, euh, si vous avez un peu de... Et je, 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 sors, un, je sors un nom d'un truc que j'ai appris qui, qui réagisse à la magie. Euh, ce que je ferai comme expérience, c'est que je mettrai les deux, les deux pierres dans des endroits euh, différents. Et j'approcherai cet élément et je regarderai euh, à quel point le phénomène physique de réaction euh, se produit. Oui, c'est une, une bonne approche. Mais regardez un peu plus en détail et euh, prenez les en main et regardez-les encore. Est-ce que vous, pour voir si vous voyez pas une autre différence Ok. Bon, bah, je vais commencer par la première, la plus petite. Donc je la prends. Ouais. Avec ma main nue, n'ai pas de gants pour le coup. Et, euh, et je ouais. histoire que je la manipule. faire un d'arcane. Euh, 19 plus 5, 24. Bah, donc, celle-là, tu sens et effectivement avec l'histoire des, des champs magiques et des choses comme ça. tu, c là, tu te dis, ouais, c'est vraiment une agate, exactement ce que tu recherchais. C'est 100% ça, il n'y a pas de doute. C'est vraiment l'archétype idéal de, la, de la gemme d'agate. Donc, euh, la pierre assez pure qui elle a toutes les propriétés typiques de, ouais. de ce truc. Ok, c'est ce que Ré je lui dis, en fait. Avec le, ra avec le ray rayonnement du champ, avec la couleur du champ, avec... Euh... Toi, tu ressens, tu vois que même si tu es dormant, là, tu es vraiment... Tu, comme tu ressens la magie que ça pourrait avoir, et tout ça, donc tu, tu ressens des choses, quoi. J'imagine que, que je ne ressens, ressens pas la magie en tant que telle, je ressens l'effet physique que la magie a sur moi. Style, on me fait hérisser ouais, les poils, me ou me fait des vibrations, mmh. ou des trucs comme ça. Mais la mmh. magie en tant que telle, je ne la vois pas, je ne la sens pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. En étant super concentré, quoi. Ouais. Et, et c'est probablement un talent okay. que j'ai développé dans les dernières années, pour histoire de compenser le fait mmh. que je ne suis j ai, j ai, j ai, pas veillé. Donc je lui dis mmh. ça, en fait. Je lui dis que. Okay. Euh, que c'est, euh, qu il faudrait trouver, tu sais, une, une unité de mesure pour la magie, tu sais, comme il euh, y, y a trois, c'est tomes. Le becrel et tout ça. Oui, c'est ça. <laughs> des, des tomes euh, comme la tomaturgie euh, Donc là, on est à 2,8 tomes euh, par rapport à ce que je ressens, qui est euh, euh, qui est assez moyen sur euh, sur ce type de pierre magistère Donc euh, tu vois qu'il te... il sourit et il... c'est très bien. Vous avez une excellente analyse, c'est parfait. Et pour l'autre. C'est là où je vais rater manger, on s'entend ah Bah oui, sinon c'est pas drôle. <laughs> eh ben non, je fais un nouveau 19. 19 plus 5, 24. Ouh. Tiens, je suis très appliqué aujourd'hui. Des magiques. Euh, Fais-moi un petit G de sauvegarde... Ah oh, merde. Sauvegarde constite. Ok. 3 <laughs> plus 2, 5. <laughs> Parfait. Ah ouais, non. Tu <laughs> tellement, euh, effectivement, focaliser qu'on ça sur le champ. En fait, tu es même embarqué par le champ, tu sens une pulsation, tu sens une chose qui parcourt ton corps, et, et, et effectivement, t'en es certain, c'est bien de l'agate, c'est encore plus pur que l'autre pierre, mais il y a autre chose qui est en résonance avec l'agate et qui est beaucoup plus puissant que la, que la gâte. Et c'est ce que tu ressens qui passe dans ton corps, et ce qui fait que tu, effectivement, même physiquement, tu as cette perturbation-là où tu te retrouves un peu euh, presque pas et tout Étourdi, on va dire sur la, le foie C'est pas que peut-être même une première fois où tu ressens peut-être de la magie, quoi. vraiment. Ouais, même mais si physique, tu physique enfin, en style, veux... style, style, j'ai les jambes qui lâchent et, et du coup je J'entends presque et j'étais obligé de, de mettre un genou à terre ou un truc comme ça. Mais je flagelle, quoi. C'est toi qui me décris. En tout cas, physiquement, tu ressens quelque chose de fort qui te perturbe et c'est la première fois que tu es une exposition à la. C'est presque, ça résonne comme si ça pourrait réveiller effectivement, ça pourrait réveiller ta, ton côté dormant et que tu, tu le vibres. Mais, c'est ça, je pense. Je pense que je flagelle, je, type, et je, suis de, je titube et je suis obligé de me rattraper. Bon, c'est pas physiquement handicapant, mais. Et là, ouais. j'ai les gros yeux écarquillés. Et en plus, avec, comme j'ai des loupes, ça me fait des yeux immenses à la, à la manga, quoi. Et, et je fais, magistère, je l'ai ressenti. Il y a quelque chose. Et qu'est-ce que cela peut être, d'après vous? Je pense que, étant donné la puissance et l'effet qu'elle a eu sur moi, je pense que soit c'est une autre forme de magie qui est plus brute, soit ça pourrait être de la corruption qui euh, que la pierre d'agate a absorbée. Mais il faudrait faire des tests pour le pour le pour le vérifier. Là, euh, tu vois, il te pose, il a pu son sourire. Rappelez-vous vos cours. Pourquoi les gemmes d'agate sont-elles si rares Parce qu'elles absorbent euh, la magie, et du coup elles sont très exploitées. Alors, je t'autorise à faire un G d'intelligence. Tu ouais, as dû faire un G plutôt que répondre cash. Comme ouais, fais un G d'arcane plutôt. Fais un G d'arcane, c'est un G d'arcane. <laughs> Avant de donner ta réponse, on va dire tu fais le G d'arcane. <laughs> bon, je fais 17 plus 5, 22. Alors, en fait, ouais, ma réponse est la bon. bonne. Alors, peu, peu importe à quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. serait difficile à trouver <laughs> donc, parce que je sais pas. Ta réponse, c'est pourquoi C'est parce que il y a une chance que ce soit des dragons. Et donc, ce que tu as, c'est un œuf de dragon d'agate. Waouh C'est un œuf de dragon d'agate. D'accord. Donc ça, tu sais la réponse, c'est ça. Bon, ce ben, je, est... je réponds hein, parce que c'est ça, voilà. si ça se trouve il va me noter et que <laughs> je vais avoir une bonne note. Hein. Euh, voilà. Donc euh, je réponds que que si ça se trouve il y a en plus de la pierre en tant que telle, si ça se trouve la pierre a plus d'origine d'œuf de dragon. Est-ce qu'on utilise le mot dragon d'ailleurs Est-ce qu'on appelle, appelle ça un oui. dragon ouais. okay. Oui. Oui, 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 C'est dans, dans ce monde-là et en plus la cité franche avec tout ce que tu connais comme cours, tu sais que les dragons ça existe. C'est pas forcément euh, courant, mais il euh, y en a. Qui parcourent le monde. Suivant, par exemple, pour Cyrilane, ça pourrait être un truc que tu as vu. Il y a des dragons noirs, parce qu'il y en a qui ont évoqué le fait que les dragons noirs en Cyrilane sont arrivés avant la catastrophe pour annoncer la catastrophe, parce que souvent on annonce que les dragons noirs sont des ben, sont au courant ou sentent les catastrophes arriver. Et d'autres qui disent que c'est quand c'est eux qui provoquent les catastrophes, pour s'en repaître. Ben oui, les... Donc euh... dragons noirs, c'est pas les dragons de corruption? bah en tout cas ouais. donc, par exemple aurais pu en voir un dans le ciel de cielène par exemple comme un et euh, à la cité franche on en voit on, euh, comme un, un signe ouais à la cité franche on n'en voit pas de dragon par contre il y a la rumeur qu'il y aurait un dragon enseveli ou sous, le, sous les ruines bon, apparemment il y a beaucoup de choses sous les ruines ou sous, sous les, ça, ça <laughs> les, pour la cité, cité franche mais bon voilà <laughs> et euh, l'autre chose par contre ce, que vous, ce qui est assez, enfin, assez fréquent voire très fréquent dans la cité franche c'est ce qu'on appelle les pseudo dragons c'est des sortes de, de petits dragons les ça a le même profit tout ça n'a pas autant le même pouvoir magique, c'est plus comme un, un chat, quoi. Mais par contre, ça, ça a une certaine filiation, peut-être, euh, avec les dragons, quoi. Alors, du coup, euh, étant donné que je connais la réponse et que je n'ai pas dit ma grosse connerie, avant <laughs> de répondre, je vais essayer de oui. faire un truc. Parce que, comme je vais essayer d'impressionner mon professeur, je vais sûr, reprendre pense. la gêne en main, malgré tout, hum. et je vais essayer de déterminer quel type de dragon ça pourrait être. Et donc, je vais essayer de déterminer sa couleur. Si c'est un dragon de couleur, ou si c'est un dragon de chromatique, ou un dragon d'acier. Alors, non, tu ne fais pas ça parce que tu le sais, avec ta réponse, c'est un dragon d'agate. Ah, le type même Le type même du dragon, c'est le dragon d'agate. C'est pour ça que je bosse mon background. Ok, donc c'est un dragon d'agate. Oui, c'est un dragon d'agate. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est très recherché, ces pierres-là, et elles sont assez rares parce que. Il y, a ces, il y a cette... Euh, mais du voilà, coup, ouais, est-ce est... qu est -ce que c'est un œuf Et donc, du coup, à l'intérieur, il y a un bébé, il y a un, un bébé dragon agate Ou c'est juste une, oui. une partie de la coquille de, 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 de l'œuf Non, non, non. T'es convaincu de ce que t'as fait avec ta connaissance et ce que t'as touché Il y, 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 y a un bébé dragon agate dedans. Alors, euh, au lieu de, de donner ma réponse savante, quoique <laughs> je la dirai après, mais je, quand, je, quand il me repose la question et que je viens, j'ouvre grand les yeux, je fais... Magistère, vous pensez qu'il y en a un dedans Là, il te regarde un peu avec notre... donc même s'il est froid et tout tu vois que là il a perçu que tu avais compris tout parce que par rapport à la première tentative euh, je pense que oui oh, Mais c'est extraordinaire pour euh, l'académie c'est extra et pour l'académie et pour vous parce que ça on pourra peut-être euh, arriver à faire euh, un jumelage sortir votre statut d'éveillé en tout cas mais oui, pour l'académie, c'est quelque chose d'unique de, 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 parce que la cité franche, hormis les pseudo-dragons, on n'a pas encore vu d'autres dragons, euh, dragons venir depuis très 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 longtemps. Et puis, euh, l'autre chose, c'est aussi qu'il va être très convoité. J'imagine. Et euh, pauvre monsieur. Prope... Pro... Bah, oh, déjà, je suis assez content qu'il ne soit pas... pas fait voler. Euh... J'ai raconté au, au professeur Severus euh, mais les mésaventures chez Sim Prosper et toute la gang. Donc mmh. il, il, je dirais pas. J'ai laissé quelques détails de côté bien évidemment, mais euh, <laughs> mais j'ai quand même raconté ce qui s'est passé avec la tentative de vol, le feu, le machin. Mmh. Donc euh, et donc du coup vous pensez que ceux qui voulaient le voler savaient que c'était des euh, que c'était que c'était un œuf de d'Agate? Par elle-même, les deux gemmes c'est assez rare, donc ça avait une très forte valeur. Donc, c'est peut-être la première motivation. C'est sûr que, si en plus, ils savaient ce que c'était, ça donnerait d'autant plus de raisons, oui. Parce que laisser un œuf, un œuf de dragon, enfin, c'est tellement rare, et, euh, et ça peut offrir tellement d'opportunités à celui qui saura saisir ce pouvoir, que certainement, ça serait une forte motivation d'aller interrompre une vente aux enchères pour s'en... Mais dans ce cas-là, il faudrait savoir comment ils avaient pu savoir que que c'est qu'une de ces gemmes était en fait un œuf de dragon. Est-ce qu'il y a des moyens magiques de détecter un œuf de dragon à distance Tu vois qu'il réfléchit un peu. Certainement, c'est possible d'identifier puisque vous-même nous-mêmes nous, nous l'avons vu et nous avons pu identifier. Maintenant, euh, je ne sais pas, peut-être. Ça me paraît peu probable qu'il s'est à distance identifié. Hmm. Ou Une sortilège de divination euh, ça, c'est peut-être plus probable, oui. Hmm. Ou s'ils avaient pu voir la, la cargaison avant. Le... Voilà, ouais. enfin peut-être pas les voleurs vieux, mais le commanditaire avait pu voir la, la cargaison avant qu'elle ait été vendue, peut-être que oui. Divination aussi. Donc j'imagine que vous allez le mettre dans le coffre-fort de l'école, euh, parce que c'est probablement un des biens les plus précieux, probablement pas le seul bien, mais un des biens les plus précieux qu'il va falloir conserver et faire éclore, j'imagine. Oui, oui, euh, je vais devoir en parler au doyen. Faire éclore, ça va pas se faire comme ça, on va devoir le faire. Comme un tout œuf, le faire grand laisser grandir et faire ce qu'il a besoin pour, euh, avant, pour éclore, on va pas. Je ne verrai pas. Malgré les sujets que nous travaillons, je n'irai pas casser la coquille de l'œuf, si je puis me permettre, pour aller Non, mais plutôt euh, Je sais qu'il y a un sortilège de maturité qui permettrait en fait d'accélérer la, la croissance de l'œuf. Du coup, ça permettrait d'éviter de passer de 15 ans d'attente à la croissance à une année. Tout à fait, nous pourrions contacter des disciples de Flore et utiliser leur savoir ou nous-mêmes utiliser effectivement le sort de croissance. Ouh, j'en ai rencontré un disciple de Flore, d'ailleurs. Il était à la vente sous Il s'appelait le Père Fabio, si je me souviens bien. Très bien. Il était en ville. C'est qui D'accord, ouais, peut-être que c'est quelqu'un qu'on pourra essayer de contacter. Il avait l'air d'être intéressé par les pierres aussi, donc peut-être que... D'accord, je le note, merci. Tu vois qu'il prend un petit papier pour se noter. Père Fabio, ma vie. Disciple de fleurs, ok. Je crois, oui. Ou, ou non, 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 c'était pas Fabio, c'était... Rulio. Je sais très bien que c'était Fabio, mais en fait, il dit qu'il y avait une, une gemme de fleurs avec... Et que je ne l'ai pas rapporté, et ça sera je vais me faire griller. Donc, euh, autant que je file un mauvais nom. Euh, donc, euh, <laughs> Rulio. Non, non, c'était euh, le, le, le père Roulio Le père Roulio D'accord, ok. Euh, très bien. Bon, et donc après, vous avez encore quelques échanges ou autre. Et puis, il te, il te dit, bon, je vais devoir vous les vous devez voir. Euh, je voulais partager ça avec vous parce que c'était très important. Merci, Magister. Je vais devoir continuer d'autres affaires et je vais vous, le, vous laisser euh, à vos occupations et on se. Je vous recontacte prochainement pour qu'on nous travaillons sur le sur ce sujet. Oui, ah, tout à fait, oui. tout à fait. Et donc, si je... vous si vous souhaitez euh, si vous le souhaitez bien sûr. Euh... ouais, mais les dragons c'est pas c'est pas ma spécialité mais euh, mais si ça me peut me permettre de d'évoluer pourquoi pas hein oui oui. Mmh. ensuite euh, si vous trouvez un mort vivant euh, ce serait peut-être quand même un peu plus fun. Mais... <laughs> Ah, je vois bien cette jeunesse. <laughs> non, mais en Très fait, bien. il est relativement donc, euh, vieux. Hein, il n'est pas du tout jeune, Arthur. Il est, il est dans la trentaine passée, quoi. Donc c'est pas un jeune. Ouais, mais c'est pas grave. Il te le dit quand même dans ce sens-là, tu vois. Ah, plutôt de la jeunesse la des étudiants, de quoi. Fougue de étudiant, ouais. bah, la fougue des étudiants, ouais. La fougue des étudiants, ouais. Ok, donc normalement, c'est la fin de votre journée de cours. Tu vas, tu devrais aller à ton travail. Ok. Je, je... Est-ce que tu fais ça Bah oui, oui. écoute, j'ai une routine. S'il n'y a pas d'autres ouais. événements. Et hey, pour être honnête, non. autant. L'idée que d'avoir trouvé un truc super magique, c'est super bien, mais autant je ne pense pas que, que le fossoyeur soit particulièrement intéressé par les dragons, à moins que ça puisse l'aider à, à être réveillé. Donc euh, c'est pas comme si, tu sais, il avait la tête dans les nuages et il sautait de joie parce qu'il avait trouvé un dragon. Okay, bon, tout à fait. C'est un œuf, c'est un œuf. Donc euh, donc c'est pas un événement extrêmement changeant. En revanche, je me pose la question. Et là, peut-être que je pourrais essayer de, de... Si tu me dis si j'ai les connaissances pour ça. Est-ce que le fait qu'il y ait une gemme de flore dans le même lot que l'œuf d'agate, est-ce que ça aurait pu être fait exprès pour faire que l'œuf mûrisse plus vite, ou grandisse plus vite Est-ce que ça fait partie des propriétés uh -huh. que les gemmes de flore, elles ont Est-ce que... Alors, il y a deux... Y a... Là, il y a deux questions en une. Est-ce que... Arcane, ça permettrait de répondre à la question. Est-ce que la gemme de fleurs permettrait de faire ça Et est-ce que ensuite Insight, non, permettrait de... Ouais, ouais, ouais. de voir Ça serait ça. Ouais, ouais. Donc euh, euh, Arcane ou, faire, ou, euh... ou Insight. Ben, il, faut, il faudrait faire les deux. Ouais. Alors, on va commencer par Arcane. Parce que je m'y connais un peu plus. Okay. 17 en encore, plus 5, 22. Et Intuition, Intuition, 10 plus euh, 3, 13. Ouais. Euh, donc, gemme de flore, oui, c'est tu sais que dans les arts, et donc dans cette science-là, il y a possibilité que la gemme de flore permette de faire de la croissance. Okay. Ce que tu sais aussi avec le score que tu viens de faire, c'est que il y a un risque, quand on utilise la gemme de flore à l'excès, enfin, gemme de flore, plutôt, je veux dire, le sort associé à la divinité flore pour faire de la croissance, il y a un risque que si on, on pousse trop sortilège là on amène le chancre ah d'accord on a déjà vu des enfin, la corrélation a été déjà documentée euh, essayer de faire de, de créer un clone qui, qui soit adulte en une semaine quoi d'accord <laughs> et, euh, et pour l'intuition avec 13 ça ça reste une hypothèse qui est possible t'en es pas convaincu mais ça te, paraisse, ça te reste une idée effectivement qui, serait, qui peut être Plausible. Et du coup, euh, comme euh, maintenant que j'ai tous ces éléments nouveaux, est-ce que je pourrais essayer de me souvenir des autres pierres qui étaient dans ce lot et pour voir si ces pierres-là, qui éventuellement avaient certaines propriétés, renforceraient cet aspect-là de euh, croissance ou ou par rapport au, au à l'œuf de d'Agathe ou quelque chose comme ça tu sais comme si des catalyseurs pour faire en sorte que les réactions se mmh. plus vite ou quelque chose comme ça au contraire des, des trucs de protection ou des trucs d'annihilation mmh. qui pour pour éviter que ça se passe ou un truc comme ça en fait est-ce que est-ce que euh, en gros j'essaie de déterminer -je s'il mais... y avait une cohérence ouais. Et là, le maître du jeu est en train de se dire Qu'est-ce qu'il est en train de raconter C'était trois pierres non, ensemble Non, non, là, euh... ce, que, ce que le maître du jeu est en train de dire, c'est que ça serait possible, mais comme vu le beau jeu que tu fait avec l'arcane et les trucs comme ça, tu, tu te rappelles les pierres qu'il y avait et tout. Tu n'as pas trouvé de corrélation directe, mais tu te dis que c'est peut-être plausible et donc il faudra passer un peu de temps en recherche bibliographique pour voir si c'est faisable. Donc on le traitera hors. Euh, pas dans cette séance-là, mais on le traitera. Ouais, ok. Bon, bon, et tu pourras épater ton professeur. Ouais, mais le. <laughs> c'est ça. Alors, une fois de plus, c'est un devoir quand même. Euh, Tout à fait. Est-ce que le. Et, et là, du coup, comme je suis toujours focalisé sur le même aspect, est-ce que, étant donné que la gemme de Flore est basée sur la croissance, est-ce que ça pourrait provoquer l'éveil Puisqu'il y a une histoire de. Quand on est en dormant, on a quelque chose mais qui est en nous, mais qui est, euh, qui est dormant, c'est un peu le principe. Et du coup, est-ce qu'on pourrait faire croître la magie en soi en utilisant la gemme de Flore oui, ça aussi, peut-être on pourra le traiter après, mais tu vois, c'est l'idée qui, qui apparaît dans ma tête. Ben, il faut que tu, a... tu réfléchisses, ouais. ouais. C'est un truc. Euh... Mm -hmm. Un truc, euh, ouais. Ça, ça, du coup, euh, ce serait une autre piste à investiguer. Tout à fait. Pour faut le noter. Et, euh, et ça serait à investiguer, euh, ouais. Et en fait, tu es en train de passer à tout ça pendant que tu faisais oui, ton marche, chemin ouais, ouais. et que tu es, es arrivé, donc finalement, au, aux portes du quartier Cyrille, Quand tu es alpagué, euh, justement, euh, par. Euh par une jeune femme une maote, que tu connais qui euh, devait faire les 100 pas en an, qui fait Ah vite Arthur euh, euh, Herbert euh, Herbert c'est le Metis principal euh, Herbert T'entends il m'a envoyé te, te quitter dès que tu arrives, il a besoin de toi euh, urgemment. Extraordinaire, cette découverte, un œuf de dragon d'Agathe et ses autres gemmes. Qu'est-ce que cela va donner Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement, abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web un duo tout -attaché net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci, bon jeu